Donc en gros, est-ce qu'il vaut mieux rêver ses rêves ou vivre sa vie? Moi, je pense qu'il faut vivre sa vie en rêvant ses rêves. Il faut que vous nous disiez dans les commentaires, moi je suis du père. Slimka, comment ça va? Mon ref, Wax, ça va et toi? Bah ça va super. Plaisir. Je te présente Seacall. Seacall. Ça va? Chiche. Ça va. Mec, on veut tout savoir sur toi. En fait, ça fait des années qu'on voulait t'inviter. Merci, merci, au plaisir. Tu nous fais le plaisir de venir dans ta meilleure tenue. Qu'on soit clair, il y a tout sur ce t-shirt. Il y a tout. Je t'avoue que je trouve incroyable. Il y a Green Day, il y a Bob Marley, il y a Kiss. On peut dire que c'est du fait main. Ouais, c'est tout, c'est du fait main. Clairement, c'est plusieurs t-shirts qu'il a pris et qu'il a assemblés avec différentes coutures. Incroyable. Et c'est accordé avec mes cheveux. Donc, voilà. Alors, la musique, ça commence comment pour toi? Est-ce que quand t'es petit, t'es dans une famille qui ça écoute beaucoup de sons? Ça écoute beaucoup de musique, ouais. Ma mère écoute beaucoup de musique. J'ai grandi avec ma mère, donc elle écoute beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup de hip-hop, de reggae. Ça t'a parlé direct? Direct, ouais, à fond. T'as grandi, en fait, vraiment, en écoutant les disques de ta mère? Bah, j'écoutais... Moi, quand je sortais, j'écoutais pas vraiment la même musique qu'elle, mais quand, à chaque fois que je me réveillais, par exemple, ben, il y avait, je sais pas, il y avait de la musique qui passait, elle mettait des radios, ça tournait entre le hip-hop, le reggae. Ah, il y a un moment où tu t'es dit... Ça serait frais que je fasse de la musique dans ma vie? Quand j'étais petit, vite fait, quand j'étais aux maisons de quartier, ouais. Il y avait des ateliers rap, donc j'étais dedans, mais j'étais pas vraiment impliqué. Mais je pense que par la suite, en fait, c'est ça qui a fait tout cet univers un peu artistique que j'ai. Ça veut dire que même au niveau de comment je me sape, tu vois, au niveau de comment je pense, tout vient de cette époque, en fait. Et de ces sons que j'écoutais, quoi, tu vois. Parce que les gens le savent, ceux qui te suivent, mais pour ceux qui ne savent pas, tu viens de Suisse. Exact, ouais, Suisse. Et justement, là-bas, est-ce que vous étiez plus baigné dans de la francophonie ou plus de la musique anglo-saxonne? Je pense que ça dépend les personnes, mais pour moi, clairement, j'étais pas vraiment dans... Moi, quand je sortais, j'écoutais des sons français, mais sinon, à la maison, non, c'était vraiment que des sons où ça parlait anglais ou... d'autres langues, je sais pas, mais... Ouais. Après, moi, avec mes potos, bien sûr, on a écouté fort du rap. Et il y avait une scène suisse, déjà, à l'époque? Ouais, il y avait une scène suisse, bien sûr. Il y avait les anciens. Ils ont fait beaucoup de trucs, déjà, beaucoup de concerts, de déplacements. Ils représentaient déjà la Suisse à l'ancienne. Et voilà, nous, on reprend le flambeau, quoi, tu vois. Et s'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique? Il y en a plusieurs. Mais vraiment, un morceau, c'est Booba, hein, vraiment numéro 10, ce son-là, il m'a marqué, ce son. Il y a un morceau qui est sur Panthéon. Quand Panthéon est arrivé, ça a changé quelque chose dans ta vision de la musique? Pas spécialement, mais c'est vraiment, je te cache pas, moi, c'est pas les albums dans leur entièreté qui m'ont vraiment marqué, c'est certains morceaux, mais ce son-là, vraiment, de Booba, il m'a marqué. Il y en a d'autres aussi, mais celui-ci, c'est un que j'ai saigné de plus, quoi. Je t'avoue que moi, Panthéon, j'ai adoré cet album quand il est sorti. Tu l'as... Bah, j'attendais après Temps Mort, vraiment, j'attendais vraiment l'album. Ouais. Et quand il est sorti, j'avoue que numéro 10... numéro 10, il est violent, il est lourd. Est-ce qu'on ferait pas une version? Écoute, mon ami. 2021. Avec plaisir. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moi, sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes. Même si mes paroles ont les menottes, sont plaquées au sol. T'en bats pas les couilles d'avoir bonne note. Peu d'élus dans mon milieu, des attaquants peu déliés dans ma banlieue. Mes lyrics sont d'humeur maussade. Je tenais à dire, je m'en fous d'y passer. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Relique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe tes couilles dans l'eau chaude, je veux la fermer. Mais y'a ce putain de drap à la con. Alors je carbure à la queue ce con et mon scud part à la fonte. Je rêve peu, je préfère agir, mais j'ai un temps de vie.
vie minimale. Donc forcément, l'infini ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai de ceux qu'il faut remettre en zonze. Renoir, tu demanderas après que ma clique te kill. Mais comment font-ils pour avoir ce style? Fusil à pompe dans les mains, carafe d'eau dans les pupilles. Petit que des numéros 10 dans ma team. Pas juste pour la frime, non. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moins sage que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Tout ça peut dire Slim Kerr très fort. Tu sais que cette version-là, elle va être demandée à fond dans les commentaires. Ils vont demander que ça soit sur Spotify. On espère. Ah, franchement, elle déchire, elle déchire. Tu la connais tellement bien. Elle déchire. Ah, franchement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et justement, est-ce que Booba, ça a été une influence pour toi à un certain niveau? Clairement, dans la façon de penser déjà. Clairement, parce que je kiffe sa façon de penser. Ouais. Ultra, tu vois, ça se rejoint avec Extrême. C'est un Extrême Boys, Booba, tu vois. Ouais. Il est extrême dans tout ce qu'il fait, et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, voilà. Bah, grosse influence. Franchement. Tu l'as déjà vu en concert? Non, je ne l'ai jamais vu en concert, non. Ou peut-être, mais je devais être... je l'ai vu avec 50 Cent à l'Arena à Genève. Waouh, ça devait être incroyable. Tu l'as vu carrément, ouais, fort, fort, fort. Et justement, à partir du moment où tu te dis que tu as envie de faire de la musique, qu'est-ce que tu fais pour arriver à ton premier projet? Comment t'en arrives là? Ben, tout simplement, en vrai, je sors des singles. J'ai été invité justement sur des sons par des frérots à moi. Ouais, mais ta première expérience en studio, comment t'arrives jusqu'en studio? C'est, il me semble que, je crois que c'était avec Makala, je crois, il me semble. Il m'avait invité sur le morceau Cadillac, avec lui et Rico. Et voilà, bah, j'avais posé mon couplet, comme ça, en mode en pleine... Allez, en pleine insouciance, tu vois. C'était ton premier couplet? Ah non, après, j'avais déjà sorti des sons avant, des singles. Justement, j'avais sorti genre 3-4 singles que j'avais enregistrés chez un frérot qui s'appelle Osiopac. Ok. Donc, j'avais taffé avec lui via Dimé. Et vous connaissiez déjà avec Dimé? Ouais, on se connaissait déjà. Mais après, ça remonte pas de trop longtemps. Hein. Ouais, ça mais fait, c'est vers quelle année? Ça fait 6 ans, à peu près. Ah ouais? Ouais, 5-6 ans. Vous vous rencontrez comment avec Dimé? Parce que vous êtes quand même les Extrême Boys. Ouais, bien sûr. On est... de base, il vient d'un quartier... il venait pas du quartier où moi j'étais, mais il venait là-bas parce qu'il faisait du rap et il suivait les cours atelier rap. Et c'était un mec qui bougeait déjà beaucoup, très jeune. Il était déjà très sociable et connecté avec plein de personnes. Donc, on se connaissait déjà. Et après, juste de fil en aiguille, j'ai commencé à sortir, à faire des freestyles un peu avec lui, dans la rue, avec mes potos. Et voilà, après, ça s'est fait automatiquement. On s'est rapprochés, on a créé une connexion avec Makala, Dimé. Et ben voilà, on a formé Extrême Boys. Et moi, je vous ai vus en concert ensemble, à Paris. Et c'est Limsa qui m'avait amené, que je salue. Mon ref, Limsa. Ah ouais. Et j'ai pris une double claque. Parce que vraiment, j'étais parti... de ces mots pour aller voir un concert de rap. Mmh. En fait, je me suis retrouvé à un concert de hard rock. Ouais, c'est... En fait, c'était... la promesse était... Enfin, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En dehors du pogo, de tout, l'énergie que vous amenez sur le truc, ça fait plaisir, votre dualité, merci. Et puis même toi, parce que t'avais ton moment où t'étais seul, j'avais l'impression de retourner genre à New York dans les années 70, quand il y avait les punks. Comment vous êtes allé puiser cette énergie-là? Enfin, toi, personnellement? Bah, je pense qu'il y a une certaine dalle aussi. C'est que tu vois, on vient d'un endroit. Niveau musique, il n'y a pas vraiment de développement. Il n'y a rien. Donc, on doit tout faire par nous-mêmes, vraiment. On doit faire tous nos déplacements tout seul. On doit venir connecter avec les gens de Paris. Ça fait 4-5 ans que je ride à Paris, à Bruxelles, partout, pour faire des connexions. Je pense un truc, ça vient des tripes. Et je pense que c'est, je peux même pas te l'expliquer autrement. Je sais pas, c'est inné. C'est clair que vous êtes autodidacte. Ça se voit que à fond, vous avez à pas. À fond, à fond. Parce à que fond. C'est tout nouveau ce que vous faites. Enfin, c'est moi, j'avais jamais vu ça. Bah, je pense que ça existait déjà avant, mais vous l'avez transformé. Voilà, on l'amène à notre sauce où ben il y a pas de complexe, tu vois. Ouais. On est sur scène. Waouh, tu nous vois, nos vieilles, nos têtes, on est moche, on est mince, on est grosse, mais à torse nu. Bah, c'est rage. Mais... pas de retenue en fait. Bah, ça, c'est clair qu'il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, j'ai l'impression que la Suisse arrive. Je pense que la Suisse arrive fort. Après,
C'est différent parce que, par exemple, en France et en Belgique, il y avait déjà des artistes ouais. à l'ancienne qui étaient déjà en place. Je suis d'accord. Tandis que nous, il y en avait, mais par exemple, on n'a pas eu de Stromae ou de Johnny Hallyday, tu vois, ou de... Stéphane Escher. Non, je suis d'accord. En plus, je voulais le contacter pour l'inviter sur un morceau. Je voulais qu'il fasse un refrain. Ça serait incroyable. On avait pensé. On voulait faire ça pour l'album. Mais on n'a pas pu, malheureusement. Vraiment, big up à lui. Mais après, malheureusement, bah, on n'a pas trop de, de personnes qui nous ont montré, là, qui nous ont montré comment faire. C'est vous qui allez le faire. Inch'Allah. J'espère. En tout cas, on est parti pour et on ne va rien lâcher. Et on, voilà, il y a plein de gens après, d'autres artistes aussi, d'autres jeunes artistes qui sont super chauds. D'où le Grunt que j'ai organisé avec Grunt. Bien sûr. Qu'on salue, Grunt. Ouais, Grunt aussi, des boss. Ils sont importants pour la culture. Super importants. Et alors, moi, j'ai vu les Grunt, mais j'ai vu aussi le concert, et puis on a écouté tous tes projets. Les refs, là-dessus. Moi, je veux savoir, parce qu'on te trouve très technique, s'il y avait un morceau qui est ton morceau le plus technique à faire ensemble. Pour moi, tous mes morceaux sont d'une technicité différente, donc voilà. Mais après, il y a un morceau que je trouve qui est assez technique, parce que je rappe assez vite et c'est un flow vraiment, même au niveau de ma voix, je le trouve technique. C'est Sale, il s'appelle. En plus, c'est mon nom de famille, donc c'est lourd de ouf. Est-ce qu'on ferait pas une version Sale, de Sale? Une version Sale, la CIA. Yeah, Sierra, Lima, India, Mai, Kilo, Alpha. J'ai la vision du tunnel en session. Bitch. Donc y'a personne qui peut faire ce que tu as à ma place. J'en ai fini marre de manger des carcasses. Le temps passe trop vite maintenant, faut que j'embarque. Je remercie ma daronne que j'embrasse sur le front. Je ne me sens plus seul quand je suis sur le pont. Toute ma famille qui me donne de la force. Nouvelle veste avec petit logo horse. Je fais que du sale. Donc y'a personne qui peut faire ce que tu as à ma place. J'en ai fini marre de manger des carcasses. Le temps passe trop vite maintenant, faut que j'embarque. Je remercie ma daronne que j'embrasse sur le front. Je ne me sens plus seul quand je suis sur le pont. Toute ma famille qui me donne de la force. Nouvelle veste avec petit logo horse. Je fais que du sale, ouais tu connais le nom. Mais vrai, je peux les compter sur les doigts de mes mains. Toi, t'es beaucoup trop focus sur l'état de mes gains. Chien, ok, j'ai la vista, la vision de jeu. Toi, tu ne maîtrises pas le papillon de bleu. Je suis sur la piste noire, tu me regardes faire. Je dépasse mes limites, défonce les barrières. Dites maman si t'as voudrais que je la marie. Désolé, en ce moment, à fond sur ma carrière. Je représente toutes mes origines. Slimka le plus vrai, et cela ne date pas d'hier. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Petit, ça t'es vrai, reste loin, je te jure. Nous ne sommes pas des frères, je te donne aucun conseil, fausse contre le mur. Je débarque au pacha, sapé comme un pacha. Aucun dans une lance le tcha-tcha. Une petite photo après Nachab. Je fume sur le voyage, j'attends juste mon cachet. Hein? Mais je suis pas là pour rigoler. Je sais que je suis sûrement un peu bipolaire. Je suis le plus frais, je sais que t'as flashé. Tellement style ma coupe au regard. Donc y'a personne qui peut faire ce que tu as à ma place. J'en ai fini marre de manger des carcasses. Le temps passe trop vite, maintenant faut que j'embarque. Je remercie ma daronne que j'embrasse sur le front. Je ne me sens plus seul quand je suis sur le pont. Toute ma famille qui me donne de la force. Nouvelle veste avec petit logo horse. Je fais que du sale. Donc y'a personne qui peut faire ce que tu as à ma place. J'en ai fini marre de manger des carcasses. Le temps passe trop vite, maintenant faut que j'embarque. Je remercie ma daronne que j'embrasse sur le front. Je ne me sens plus seul quand je suis sur le pont. Toute ma famille qui me donne de la force. Nouvelle veste avec petit logo horse. Je fais que du sale, ouais, tu connais le nom. Oh là 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 là. C'est extrême, mec. C'est sale. Brode. Trop chaud. Toujours. Ah ouais. Ça bouge up. On a envie de faire des concerts, là. Ah, bro. Ça a repris en plus. Bah ouais, ça a repris. Ouais, ça a repris. T'as fait quelques concerts depuis la reprise? Ah, j'ai eu la chance d'en faire. Quelques-uns cet été à Estavayer-le-Lac, magnifique, et à Genève. Donc, chez toi. Voilà, j'ai eu un petit showcase, mais sinon, on prépare une bonne tournée, un bon truc. Quoi. Faudra que tu nous tiennes au courant. À fond, on serait tenu au courant. Backstage, VIP, tout. Ah yes, bah, oui. La famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écoute, Slimka? J'écoute de tout, franchement, je suis... Vu que j'ai sorti l'album, tu vois, avant, quand j'étais vraiment dans l'album, j'étais focus sur mon album, mais là, j'écoute de tout. Juste une aparté, quand du coup tu crées sur un album, tu te bloques de l'écoute, tu peux faire d'autres trucs pour te focus vraiment sur ton son, ou justement tu te nourris de plein de choses en écoutant le maximum de choses ou... Bah, j'écoute de la musique, mais je suis plus concentré sur les prods.
Ouais, sur, j'essaye de faire des résidences ou quand je suis en studio, ben, je suis vraiment concentré là-dessus. Et c'est même pas que je me bloque automatiquement, c'est, je dirais, c'est, ça ouais. se fait tout seul. Genre, je suis tellement focus, je suis tellement en tunnel vision dans mon taf que... Mais du coup, t'écoutes moins genre, tout ce qui sort C'est ça, j'écoute un peu moins tout ce qui sort, mais j'écoute quand même. Je suis vif, quoi. Ouais, tous les cas, dans tous les cas. Tu veux rester dans l'actu. Mais là, vu que l'album est sorti, ben, j'ai pu écouter plein de choses. Et il y a un titre que t'écoutes en boucle? Un titre qui me fait rire, que je kiffe, c'est le son Drake et Future. Ouais, ouais, tout sexy, là, il est lourd. Il est incroyable. Ah, il est lourd. Dans le clip avec Kawhi Leonard. Le gars, il faut toujours des clips de... Le clip est incroyable. Mais ça, c'est pas des effets incroyables, mais juste comme c'est mis en scène, comme c'est proposé, les situations dans lesquelles ils se mettent, c'est trop lourd. Il y a quand même genre 20 plateaux différents, ouais. avec à chaque fois une vraie proposition. Ouais, c'est ça qui est violent aussi. Moi, je rêve. Est-ce que tu as déjà repris du Drake? Jamais. J'ai jamais été vraiment un mec des covers, mais de ouf. Hein. Moi, je s'il faut Drake, way too sexy. Slimka qui reprend Drake. Slimka qui reprend Drake, inédit. Ça, c'est vraiment inédit. Inédit pour sur le plateau de Fanzine. Je sais pas si vous êtes prêts. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Il va falloir qu'on fasse une version extrême. Ah, fort. Alors vas-y. Je pense que c'est mieux. On n'en dit pas trop. On laissera les gens juger. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. I'm too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for the jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for you gang, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for the jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for you gang, too sexy for this fame, yeah, yeah. Okay. Alright, that's fine, okay. I'm feeling too sexy to accept request. And I'm way too sexy to go and protect. And she popped the Tesla, now she gonna electric. Okay, alright, that's fine, okay. Think we got too sexy for that metro house. Diamond pop that almost swallow 60,000. Sectioning more things in hair, I like it harder. Yeah. Yeah, I like it quarter. Oh, you like the boy, but tell me what you like about him. You a turn up little tarty, ain't no wife about him. I'm a fuck of friends, I say I'll buy you metro housing. Too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for the jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your gang, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for the jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your gang, too sexy for this fame, yeah, yeah, yeah. Ça. Mec, oh là là, incroyable. Il est lourd. Bon, les amigos, paix, santé, amour. Ah ouais, on peut dire ça, ouais. Mais écoute, c'est quoi, mec? T'as tellement une carte de bon client qu'on t'offre la fin de l'émission, fais ce que tu veux. Ce que je veux? Ouais, tu nous dis, on fait ce que tu veux. Ce que je veux, bah déjà, j'aimerais passer le big up à tous mes frères, toutes mes sœurs, ma mère, mon père, mes amis, toute ma ville, toute la Suisse, tous ceux qui me supportent. Continuez, on est ensemble, merci, big up à vous, big up à toute l'équipe. Et j'ai envie de dire que cette émission était tellement sale qu'on va finir ça avec un son extrêmement terrible. Waouh. Et alors, qu'est-ce qu'on va jouer comme morceau? Terrible. Terrible. Faisons terrible. C'est ça. Extrêmement terrible. Hey, je suis dans le thème, pas besoin de tête. On me dit que je suis défoncé. Un peu trop dépensier, mais je ne calcule pas trop les avis. Dis-moi ce que je dois faire dans ma vie. Rari, 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 rari. Oh, je suis dans le thème, pas besoin d'aide. Elle me dit que je suis défoncé, un peu trop dépensier, mais je ne calcule pas trop les avis.
parce que je dois faire de ma vie. Rari, 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 yeah. Rari, 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 yeah. Oh, sauver l'esprit comme vaudou. Déterminé, je serai toujours. Maintenant, on me demande de l'aide, mais je les laisse brasser de l'air. Envieux, jaloux, y'en a beaucoup. Gros bisous, te quiero mucho. Tu connais la DA, c'est nos bêtes. Sèche de jambes rouges, te boive comme ton tête. Vas-y doucement, doucement. La concu est dans la mer, yes. Ils subissent un étouffement. Les flots proviennent de la terre, mer. Non, c'est pas la même wave. Pas le même chemin pour le faire, yeah. J'ai les armes pour gagner la guerre, yeah, 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 yeah. Regarde ma tête comme je suis focus. Je passe trop, je vais peut-être suffoquer. Je quête le top, je suis choqué. Rien la foutre d'être sous-côté. J'avance avec confiance. Peu de frères qui m'entourent. Plein de traites, j'ai conscience. Qui voudrait que je tombe dans le trou. Je suis dans le thème. Pas besoin d'aide. On me dit que je suis défoncé. Un peu trop dépensier. Mais je ne calcule pas trop les avis. Dis pas ce que je dois faire dans ma vie. Rari, 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 yeah. Rari, 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 yeah. Oh, je suis dans le thème. Pas besoin d'aide. On me dit que je suis défoncé. Un peu trop dépensier, mais je ne calcule pas trop les avis. Parce que je dois faire dans ma vie. Rari, 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 yeah. Rari, 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 yeah. Oh. Rari, 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 yeah. Oh. Rari, 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 yeah. Quelle émission, mec. Incroyable. Les refs. Écoute, merci. Tu sais, on termine merci chaque beaucoup. Émission de la même façon. C'est-à-dire avec un pas de danse. Oh bon, là là, comme t'es ouais, chaud. Mon gars. Ah, comme t'es chaud. Écoute, wesh. Il faut que tu nous apprennes un pas de danse. Un pas de danse. Quand on aille en soirée, on puisse briller. Vas-y, je peux vous montrer un petit pas de danse. Genre comme ça, un truc comme ça. Ah ouais. Oh, c'est comme ça, genre. Merci beaucoup. T'es pas loin, mon ref. C'est tellement gentil.